Salut. Salut à tous. Bon, ouais, je sais, je me laisse pousser la barbe et les moustaches dans le désordre, mais bon, c'est pas. On s'en fout, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis venu vous parler de la vaccination. Alors, je vous dis tout de suite, je m'en fous de ceux qui vont me dire faut pas se faire vacciner ou faut se faire vacciner. C'est pas le but en fait, hein. Je m'en balèque un petit peu. C'est pas mon problème. En fait, je voulais vous donner mon ressenti par rapport à ça, puisque je viens d'aller me faire vacciner. Bah oui, j'ai plus de 50 ans et j'ai un truc de comorbidité. Donc, je ne vais pas vous dire quoi, mais bon. Bref. Donc, je suis allé me faire vacciner ce matin. J'ai pris rendez-vous. Franchement, ça a été très facile. Donc, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des vaccins. Et qu'avant, il n'y en avait pas. Parce qu'avant, j'avais essayé. C'était impossible. Impossible d'avoir un rendez-vous. Et là, ça s'est fait tout seul, en fait. Très rapide. Je suis allé sur Doctolib. Tac-tac, rendez-vous, et ça y est. Donc, je suis allé me faire vacciner ce matin. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Alors, franchement, là, je suis revenu. Alors, je fais ça pourquoi? Je fais ça pour ceux qui ont des doutes, simplement, qui sont pas sûrs ou autre chose. Moi, je suis pas là pour vous influencer. Je vous dis pas de vous faire vacciner. Je vous dis pas de pas vous faire vacciner. Je vais vous dire ce que j'ai fait moi. Moi, je pense qu'à la finale, on sera tous obligés de se faire vacciner. Je pense sincèrement, j'ai bien réfléchi et je pense qu'on sera tous obligés de se faire vacciner. Même ceux qui vont dire non, jamais je me ferai vacciner, machin, vous verrez qu'on sera obligés. On sera obligés. Et en plus, sincèrement, je pense que ça va dans le bon sens. Alors, je pense que comme ça, à mon avis, bah, plus vite c'est fait, plus voilà, on n'en parle plus et c'est tout quoi. Voilà, donc bah, la vaccination, c'est très simple. En fait, vous avez votre rendez-vous, c'est bien organisé, hein. Franchement, chez moi, c'est bien organisé. Vous arrivez, vous avez votre rendez-vous, vous passez voir un docteur. Il vous enregistre, vous passez voir un médecin qui vous pose 3-4 questions. Et puis après, vous allez vous faire piquer. Alors franchement, ceux qui ont peur des piqûres, je ne l'ai même pas senti, je vous mens pas. Je ne l'ai même pas senti. Ça veut dire, je sais pas si je suis tombé sur une super piqueuse ou quoi, mais je ne sais pas s'il y a des nouvelles aiguilles ou quoi. Je ne l'ai même pas senti. Ni l'aiguille, ni le produit, rien. Que dalle. Que dalle. Voilà, ça se passe très bien. Et puis après, ils vous font attendre un quart d'heure, ils disent, mais bon, c'est 10 minutes en gros, voir s'il n'y a pas une mauvaise réaction rapide, quoi. Et puis après, ils vous laissent repartir. Et donc là, je suis rentré. Voilà, je vous laisse voir tout ça. Et si ça peut servir à quelqu'un, eh ben tant mieux. Et puis si ça sert pas, ben tant pis. Mais au moins, j'aurais fait mon truc. Voilà. En tout cas, moi, c'est fait. Prochaine vaccination, donc au mois de mai. La deuxième vaccination. Et bien entendu, je vous ferai un suivi des effets indésirables potentiels si j'en ai ou si j'en ai pas. Franchement, je vous mentirai pas. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye. Salut les loulous. Alors, ben, je vais faire le cobaye pour vous. Je vais me faire vacciner. Voilà, donc. Après, je vous demande pas ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, c'est pas le problème. Mais si ça peut aider ceux qui ont des doutes, eh ben, je vais me faire vacciner. Voilà, j'ai rendez-vous. Donc je vais y aller et je vous reprends plus tard. Ciao. Vous avez de la chance, mais il y en a, c'est que ça dépend, il y a des gens qui... Oui. Je pense que c'est aussi notre jeunesse qui fait que voilà, oui, puis on n'a pas de. Voilà, on n'avait pas de comorbidité, donc ça a été, mais. C'est dur. Ouais. On a l'impression en fait sur. Ah. Voilà. Première injection, c'est fait. Alors. Ça a été assez vite, sauf que. Bonjour. Là et à gauche, vous allez voir, il y a un monsieur en blouse blanche devant. Là à gauche. Eh oui, je fais pas partie de l'hôpital. Oui, en fait, ça a été assez vite. Faut compter 25 minutes, quoi. Sauf que moi, en fait, je suis pas allé dans le bon bâtiment. Donc évidemment, il a fallu que je reparte. Voilà, enfin, il est... Voilà, c'est fait. Bon, pour l'instant, j'ai pas de troisième testicule qui pousse. Donc ça va. Allez, je vous tiens au courant plus tard.